Hello la famille, c'est Niama, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les gossips sur Insta Vidéo. Tchou les gars sur Babi. La belle dame a révélé dans la télé-réalité ivoirienne Statoner en 2008. S'était retirée de la scène depuis quelques mois. Peu de sorties sur la toile, aucun single à l'horizon. Si ce silence pouvait s'apparenter à une perte de vitesse, puisque la jeune mère a ressurgi plus en forme que jamais. D'abord en offrant aux mélomanes le remix de Ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Cette chanson en soutien aux éléphants, beaucoup critiquée en ce moment par les Ivoiriens, comme quoi le son a été du copier-coller. Et la coupe à la maison, allez les éléphants, cette année c'est le moment, allez les éléphants. Elle n'a pas apporté plus de follow parce que le son a été un remix, la voix qui n'allait pas avec, et puis le son qui n'était pas de bonne créativité, et comme quoi elle a mis le nom de certaines personnes qui ne sont pas des joueurs. En tout cas, le son a été beaucoup critiqué par les Ivoiriens, donc certaines personnes même affirment que Bamba Amisara doit arrêter la musique. Si oui, j'ai besoin de vos commentaires. Sinon aussi, j'ai besoin aussi de vos commentaires. Félicitations à Bamba Amisara, elle a au moins apporté son soutien aux éléphants. Alors sur ce, chers abonnés, abonnez-vous, le plus important, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sur ce, bye bye.